Je m'appelle Philippe Christophers, j'ai 31 ans. Je suis au parc depuis cet été, depuis le mois de juillet. Et je suis international anglais à 3 reprises. Et en fait, je le connaissais déjà depuis 2001 où j'avais joué pour lui, pour le CABRI de Corrèze. Et du coup, je connaissais ses compétences, je connaissais le fait que c'est une personne humaine très très bien. Et c'était une des raisons pourquoi je suis venu, parce que je voulais surtout travailler avec des gens que je connaissais, dans lesquels j'avais confiance. Et c'est pour ça, c'était la raison primaire pourquoi je suis venu aussi. Je connaissais très bien Olivier Nier parce que il était aussi le dirigeant du centre de formation à Brive à l'époque. Et c'était des deux hommes dans lesquels j'avais confiance. C'est pour ça que j'ai signé ici. Oui, tout à fait. Le problème contre Pau, ça s'était bien passé. Au début, j'ai joué 30 minutes. Après, j'ai pris un plaquage haut. Et malheureusement, j'ai eu 4 dents luxées. Et du coup, ils ont essayé de sauver les dents. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et j'ai été opéré la semaine dernière. Mais maintenant, j'espère que tout va bien se passer. De pouvoir se projeter pour le match de Tarbes et apporter mon expérience des dernières 10 années pour aider l'équipe. Et bien sûr, en tant que compétiteur, en tant que joueur ou en tant qu'équipe, on va toujours quelque part pour essayer de gagner. C'est notre objectif premier, sinon on ne serait pas sportif de haut niveau si on ne voudrait pas gagner. Forcément, si notre conquête est performante et si on peut utiliser nos opportunités pour marquer, j'espère qu'on aura une bonne chance pour chercher la victoire. Non, je ne pense pas. C'est comme toutes les choses. Il y a des fois que tes joueurs ils ont des journées où ils sont un peu moins en réussite. Il faut leur refaire confiance parce que franchement, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à neuf d'avoir du mal à faire les passes. Il y a peut-être un centre qui rate quelques plaquages dans un match. Tout le monde peut avoir un jour où il est un peu moins performant. Il faut leur refaire confiance et le remettre dans la bande de suite pour leur redonner confiance pour que dans les matchs suivants, ils soient aussi performants que possible.